Et quand je m'éclipse de tout ça pour y penser, j'écoute, je regarde ce monde les yeux fermés. Comme une envie de pas voir toute cette férocité, je suffoque, je m'écarte et je tente de respirer la foutueur de cette putain d'humanité. Et puis je m'arrête, je regarde. Puis je m'arrête, je regarde. Et puis je m'arrête, je regarde. Ça comme des cons à voter pour des putains de partis. Comme l'impression que le problème vient de nous et qu'on ferait mieux de partir. Une race qui s'entretue pour chercher le bonheur. Comportement qui a perdu toute forme de valeur. Vous trouvez ça normal d'être obligé de créer des lois? Population sous contrôle pour éviter le dawa. Est-ce que quelqu'un peut me dire si cet humain a fait du bien? Un couple de mariés et qui finit par divorcer. Des enfants gâchés pour un foutu manque de respect. Ces couples pas foutus de dépasser le quinquennat. On aurait dû dire à Chirac de maintenir le septennat. C'est devenu quoi en fait? C'est devenu quoi? C'est devenu quoi en fait? C'est devenu quoi? Des partis politiques créés par une équipe de pauvres types représentant d'une race de putain d'égocentriques. Putain, est-ce que vous captez? Ou est-ce qu'on vient de se ramener? À plus pouvoir saquer son reflet parce qu'il est trop bronzé. À détester son voisin parce qu'il est un peu mieux fringué. À fixer des enfants sur flingue et poser devant la télé sans réaction sous prétexte qu'ils sont un peu trop étrangers. Une armée de députés butés mentalement perturbés, incapables d'instaurer cette putain de notion de respect.